Bonjour et bienvenue dans ce grain dédié au Downy Multibloc. Donc ce grain vise principalement trois objectifs. Comprendre ce qu'on entend par des Downy Multibloc. Connaître différentes classes de Downy Multibloc et pouvoir les distinguer. Et finalement, pouvoir juger si on dispose de données, si ces données constituent des Downy Multibloc ou pas. La première classe de données multiblocs, c'est ce qu'on va appeler des données structurées en groupes de colonnes. Parfois, on les appelle aussi des données structurées en groupes de variables. Alors, de quoi s'agit-il? On dispose d'une collection de tableaux. Ces tableaux ont en commun les lignes. Il est nécessaire que ces lignes soient afférentes aux mêmes objets. D'un tableau à un autre, les colonnes doivent être différentes. Alors, en chimiométrie, les situations qui conduisent à ce type de données sont nombreuses. Ces études ou ces situations considèrent souvent un échantillon, et sur ces un échantillon, on va acquérir pas une seule collection de spectres, mais plusieurs collections de spectres. Ces différentes collections de spectres correspondent à différentes plages spectrales. Donc la figure illustre trois plages spectrales du visible, du proche infrarouge et du moyen infrarouge. La deuxième classe de données multibloc, c'est ce qu'on appelle des données multibloc structurées en ligne. C'est une collection de tableaux. Ces tableaux ont en commun les colonnes. Ces colonnes sont afférentes aux mêmes objets et les lignes doivent être différentes d'un tableau à un autre. Alors, généralement, on rencontre ce type de structure dans un cadre de discrimination où on mesure sur un même ensemble de pi variables différents groupes d'individus. La troisième classe de données structurées en bloc, c'est ce qu'on appelle les données à trois entrées. C'est une classe à l'intersection des deux classes qu'on vient de voir. Les données à trois entrées se présentent sous la forme d'une collection de tableaux. Ces tableaux ont en commun, cette fois, les lignes et les colonnes. Généralement, on rencontre ce type de données lorsque, en fait, on fait un suivi dans le temps d'un ensemble d'échantillons, comme il est illustré dans la figure. Nous venons de voir trois classes de données multiblocs. Ces classes se partagent les lignes, les colonnes ou les deux à la fois. Cette notion de partage peut être partielle, c'est-à-dire quelques tableaux ont en commun les lignes, quelques tableaux ont en commun les colonnes. Il est possible que quelques tableaux n'aient en commun ni les lignes ni les colonnes. Voici un exemple avec trois tableaux. Le tableau X2 partage les mêmes colonnes avec X1. Le tableau X2 partage les mêmes lignes avec X3, mais le tableau X1 et X3 ne possèdent ni les lignes ni les colonnes en commun. Pour prendre en compte ces situations relativement complexes, nous allons adopter une nouvelle représentation des tableaux par le biais de graphes. De quoi s'agit-il? Supposons avoir une collection de tableaux. Nous allons représenter chacun des tableaux sous forme d'un cercle qu'on appelle un sommet. Si deux tableaux ont en commun les lignes ou les colonnes, on joint ces tableaux par un segment qu'on appelle une arête. Ainsi, une collection de tableaux va correspondre à un graphe dont on peut identifier les sommets et les arêtes.
Cette représentation par le biais des graphes nous permet d'introduire une définition générique de ce qu'on peut appeler des données multiblocs. Donc, les données multiblocs sont des collections de tableaux dont les graphes associés sont connexes. La figure illustre une situation d'un graphe connexe et d'un graphe qui n'est pas connexe. Lorsque le graphe n'est pas connexe, la collection de tableaux ne peut pas constituer des données multiblocs. Par graphe connexe, on entend que si on choisit n'importe quel deux sommets, on peut joindre ces deux sommets en parcourant le graphe. Comme on vient de le voir, les données multiblocs sont diverses et variées. Nous avons déjà vu la classe 1, 2 et 3 sur la figure. Focalisons-nous sur la classe 4. Cette classe consiste à une collection de données dont les individus ou les lignes sont structurées en groupe et les colonnes sont structurées en groupe. Par exemple, les colonnes peuvent être de technique spectrale et les lignes sont trois groupes d'individus. Le graphe associé à cette structure de données est représenté par deux triangles. Le triangle externe correspond aux trois groupes d'individus du premier bloc de variables. Le triangle intérieur correspond aux trois blocs d'individus concernant le deuxième groupe de variables. La connexion entre le triangle externe et le triangle interne provient du fait que les trois groupes d'individus ou les trois groupes de lignes ont été mesurés sur les deux groupes de variables. Si on parle de données multiblocs, c'est pour pouvoir les analyser par la suite. Les méthodes d'analyse de ce type de structure, on les appelle les méthodes d'analyse de données multiblocs ou méthodes multiblocs. Ces méthodes partagent avec les méthodes usuelles les mêmes objectifs. Les objectifs de discrimination, de régression, de classification. Elles se différencient des méthodes usuelles par la structure de données à analyser. Donc, elles visent à étendre des techniques usuelles afin de prendre en compte la structuration en bloc des données. Pour ce faire, elles s'appuient sur des concepts et sur des stratégies spécifiques. Ce qu'il faut retenir dans ce graphe, c'est que les données multiblocs sont des collections de tableaux qui s'associent d'une manière bien précise pour former la structure multibloc. Cette manière bien précise consiste à associer à la collection de tableaux un graphe et de vérifier si ce graphe est connexe ou pas. S'il est connexe, vous donnez constitue une structure multibloc. Donc, les données multiblocs possèdent des formes différentes et variées. Les données multiblocs peuvent être rencontrées dans tous les domaines qui génèrent des données, en particulier la chimiométrie. Voilà, merci pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous au forum pour un échange que j'espère fructueux.